Mais toi, avant tout, voilà, qu'est-ce que tu peux dire sur ce match face au Girondins? J'ai envie de dire, faut savourer. Juste savourer. Pourquoi? Parce que c'est que notre troisième victoire de la saison. C'est pas n'importe quelle victoire. C'est face aux Girondins de Bordeaux. Une grande institution, un grand club. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils vont repartir de l'avant. Je ne m'inquiète vraiment pas quand je vois ce qu'ils sont capables de faire à 10 contre 11. Et la façon dont ils nous ont mis en difficulté, la maturité, le talent. Nous, on a presque tout fait parfaitement, en tout cas dans le scénario du match, et jusqu'à finalement cette expulsion qui met le doute et qui permet à Bordeaux en fait, de jouer son va-tout. Et nous a mis en difficulté. Et on a une fin de match très chaotique par moment. Je crois que si on encaisse ce troisième but, je pense que ça aurait été très très difficile de s'en remettre. Est-ce que les fantômes du match à Caen ou même face au Cercle sont ressurgis peut-être et... Ben la preuve que non. Un peu quand même. Non. Il y a une fébrilité. Non. Non. Non, même s'il y a de la fébrilité, mais il y a quelque chose qui vient de se passer là. Je sais pas, mais peut-être un des tournants dans notre saison. Il faut qu'on arrive à prendre encore des points avant la trêve. Ça va être la clé. Les mecs ils se sont mis minables, ils se sont arrachés, comme jamais. Ils ont fini cuits. Je sais même pas comment samedi on va pouvoir déjà jouer. Et je parle même pas encore des deux matchs qui vont arriver derrière, en enchaînant tous les deux jours. Mais en tout cas, je suis très heureux pour eux parce que on vit tous ensemble une saison pas évidente, mais ils s'accrochent et c'était une soirée de gala ce soir et on a réussi à être à la hauteur. La satisfaction encore une fois, c'est voilà, cette offensive qui marche bien avec Sambou, avec Kalifa. Ça, c'est vraiment quelque chose de solide sur lequel tu peux t'appuyer. C'est intéressant de voir que match après match, voilà, ça continue de tourner offensivement. Ouais, c'est bien parce que dans ce qu'on propose et dans ce qu'on met en place, à l'image de ce premier but, c'est pas anodin. C'est travailler depuis des semaines et des semaines et être en capacité d'aller récupérer un ballon. C'était pas passé très loin contre Valenciennes. Là, on a réussi à le récupérer, à ouvrir le score. Donc automatiquement, ça nous met en confiance. Donc oui, on marque des buts, mais une nouvelle fois, 3 pour gagner un match, quoi. Et on en a caisse 2, alors que le goal à Vera sera important à la fin de la saison. On aurait préféré, bien sûr, avoir 3-0 et avoir un plus 3 et redescendre à moins 2 en goal à Vera. Et là, vous avez gratté beaucoup de ballons en première période. Ouais. Ouais. Ah ouais. C'était vraiment. Parce que c'était vraiment intense ou c'est. Non, c'était. Je pense qu'on a envie de corriger aussi ce qu'on n'a pas su bien faire sur les précédents matchs, notamment face à Auxerre. Quand on est en capacité. D'avancer sur le porteur de balle, de faire remonter le bloc équipe un peu plus haut, automatiquement on récupère des ballons plus haut. Après, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas reculer pour reculer. C'est ce qu'on a fait notamment à la fin. Bon, après, il y avait un peu de pression. Mais mes deux milieux de terrain ont été incroyables. Noah et Gustavo, dans la débauche d'énergie, dans la récupération des ballons, j'étais tout le temps obligé de les calmer parce qu'ils avaient toujours envie de se projeter. Je les connais, ils sont tellement, tellement généreux que quelquefois, il faut savoir les freiner pour qu'ils restent en place et qu'ils puissent assurer notamment la discipline d'équipe. Alors, ils sont attirés, mais bon, le haut niveau, c'est être en place. Et d'autres satisfactions, c'est la nouvelle entrée de Mamadou Camara, voilà, le 11. Ouais. Son match avec une belle passe D et la confirmation que c'est même Lloric à droite, ça ouais. Marche assez bien. Pour être honnête, j'ai failli lui tomber dessus à la 22e minute quand il y a un ballon sur le côté qui est dégagé par Benjamin et le ballon rebondit, se regarde et le ballon sort en touche. Et là, je dis, c'est pas possible. Ils peuvent communiquer, ils peuvent parler. Et derrière, j'ai mis avec une récupération de balle et puis une projection vers l'avant et le but de Mamadou. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui aussi. Mais après, il n'y a pas que l'aspect offensif, il y a aussi les aspects défensifs, et il le sait. Il doit être aussi, lui, capable, à un moment donné, quand on est à la 44e, 45e, il ne faut pas attaquer, mais il faut mieux être bien en place pour rentrer à 2-0 et pas rentrer à 2-1, contre, par exemple, contre Auxerre, où on encaisse ce but. Quoi. Donc, il y a encore beaucoup de travail, parce que ce sont des jeunes joueurs, perfectibles, et qui ont besoin d'être aiguillés, d'être accompagnés à l'intérieur. Tu parles de 22e, tu parles de Mamadou ou de Samuel? Sûr. Tu as fait 8 points dessus.
Non, sur Mamadou, sur la situation bien précise, une des situations. Ça t'offre des alternatives. Ouais, bah, on est. Samuel à droite, c'était pas forcément de base. Non, mais. Essaye de trouver des solutions. Il faut faire bouger. Moi, j'aime pas subir les choses. Voilà, Garland. Avant Garland, il y a eu Alex qui peut-être a montré la voie qu'il fallait aller dans ce sens-là plutôt que d'aller toujours dans des idées de projection où on met et qu'on n'a pas peut-être l'intelligence dans les déplacements. Donc moi j'aime bien cet équilibre-là. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de débauche ce système. Et ça c'est vu. Hein. Les mecs ils ont pas lâché, ils se sont donnés, mais ça n'a pas été évident. Merci Olivier. D'abord. Merci. Merci.